Ce que je trouve surprenant, c'est que ce sont les adolescents du collège Rosa Parks qui nous rappellent les valeurs de dignité et d'humanisme qui sont le fondement même de l'humanité et le fondement de l'Union européenne. Je suis triste d'être devant vous à demander à l'Union européenne en 2023 d'accueillir dignement les migrants. Mais je suis à la fois fier de porter la parole et l'espoir des collégiens à l'Union européenne pour faire changer la loi. Si vous voulez être fier comme moi, allez-y signer le lien en description. Je vous remercie.